Salut à tous. Ouais, j'ai pas fourché, j'ai bien dit le mot talus. En référence à un petit Suisse, lors de notre dernière sortie à Moissac, malheureusement il n'y aura pas de vidéo, mais il s'est fait une belle chute. Il a fini donc dans un talus, vous l'aurez compris. Je vous mets tout de suite d'ailleurs un petit extrait de cette journée où il n'y avait pas de roulage, vous verrez pas du tout de roulage. Voilà, en fait je vous laisse juste ces 2-3 conneries qu'on a pu filmer tout simplement à l'arrêt, parce que la journée, elle a fini sous la flotte. Fais gaffe de pas te piquer le bout avec les ronces. Il est concentré quand il pisse celui-ci. Ah bon, putain. Bon, du coup j'attends que tu termines de pisser pour faire mon intro quoi. Elle est bien, allez, voilà, l'intro elle est faite les gars. Allez, on est dans mon sac, ciao. Foule. La chance, il n'y a pas de vent. Ça revient pas sur les pieds. Il y a un proverbe qui dit, qui pisse contre le vent, se mouille les chaussures. Et bonjour la team, on se retrouve aujourd'hui. Putain, à chaque fois, j'ai jamais y arrivé à faire des vidéos avec vous là. Ah, il y a le soleil qui sort. Ça fait plaisir. Ah, lui aussi, il pisse. Oh, pisse sur le compteur, vas-y, abruti. Tu veux tenir au courant. Bon, du coup on est à Moissac. Et oui, Moissac c'est ce fameux terrain sur lequel j'étais venu rouler pour la première fois avec des conditions médiocres. C'était gras, c'était horrible. J'en ai vraiment un mauvais souvenir. Et puis finalement après nos petits tours de ce matin, je peux vous dire qu'il est agréable. Alors est-ce que c'est le fait du 4 temps ou est-ce qu'il est moins gras? Ouais, il est moins gras que la dernière fois quand même. Toi tu t'es fait peur. Toi t'es tombé déjà. Chris il est déjà tombé. Non. Ah c'est pas vrai. Ah t'es pas tombé. Mais je vais tomber. C'est tu pas vas pareil. Tomber. Du coup si Chris il tombe, ce qu'on va faire c'est que je vais vous mettre la GoPro sur le Chris. Alors vous allez voir c'est pas violent. Hein. Et encore que c'est gras donc il accélère un peu plus. Juste parce que ça patine en fait. C'est pas parce qu'il accélère plus, c'est parce que ça patine. Ah putain. C'est tout pour moi. Ah c'est trop bon. Et ouais putain, mets ton dos correctement. On est à la bière. Voilà, impeccable. Sans placement de produit. Voilà. Parfait. Donc on finit la bière. C'est pas bien en vrai. On est des sportifs de merde en vrai. On boit de la bière. On fait pas de sport. On fume des clopes. On fume des clopes entre chaque série. On s'échauffe pas. On s'échauffe pas. Mais qu'est-ce qu'on s'amuse. Mais qu'est-ce qu'on s'amuse. Allez c'est parti, je vous envoie faire un petit tour avec Christopher. Bon finalement on n'aura pas de vision de Christopher. Parce que Christopher il est tellement intelligent qu'il a pas appuyé sur la GoPro pour lancer la vidéo. Oh lui il s'est enculé, vas-y. Bien cuite la pizza. Voilà. Donc, il y a un petit Suisse qui s'est envoyé un saut. Il y a un petit, une petite table qui se prend en travers petite, malheureusement. Petite, elle doit faire 10 mètres. Ouais mais t'as vu les longues. Ouais elle est haute, voilà. En plus ça arrive d'une descente, elle remonte. Donc elle t'envoie haut, mais elle est pas longue et finalement tu la prends en travers en fait. T'arrives en travers sur le saut. Donc il est arrivé en travers, il a continué son saut en travers. Sauf qu'à la sortie, si tu te redresses pas à droite, il y a un talus. Il a planté le guidon dans le talus. Mais ça va pour lui, il va remonter sur la moto, on se fait pas de soucis. Donc je vous disais tout à l'heure que vous alliez avoir une petite vidéo de Christopher. Je la refais, t'inquiète. Et cette fois, parce qu'alors là, je l'ai entendu, il a dit. Il a tout passé. Non mais je vais la refaire la vidéo. Il va s'y envoyer parce qu'il a dit qu'il avait sauté, qu'il avait pris des virages rapides. On veut voir ça, on veut voir ça, on veut que ça nous. Le virage rapide. Oh, tu sais quoi? Et pour pas me recasser la gueule, je vais le suivre. Comme ça, au moins, ça va rouler tranquille. On a fait la petite pause repas. Mais entre temps, il s'est mis à pleuvoir. C'est vraiment pas cool. C'est déjà légèrement gras. Ça sent l'arrêt, ça sent l'arrêt. On sait pas si on va rouler cet après-midi. Il faudrait vraiment que tout s'arrête. Pour qu'on puisse rouler cet après-midi. Triste vie. Voilà pour la dernière sortie en Moissac. Aujourd'hui on se retrouve à Mirepoix. Nouveau terrain, on a fait nos 4 tours de reconnaissance hier. Ils en ont fait 5, ils en ont fait 5 là les petits gotos. Et aujourd'hui c'est la grande nouvelle, oui. Pour vous c'est le 7 décembre environ, mais pour nous c'est le premier week-end de décembre. Et on a enfin notre Christophe qui a sa licence et qui vient de faire ses premiers tours à Mirepoix. Ah moi j'ai payé 2 fois mais la première fois je me suis arrêté. La moto elle avance pas, ça.
C'est dur alors ou c'est pas dur? Ouais, franchement, il est physique, ouais. Il est physique. Je l'ai pris en faune de 4. Sauf que, tu vois, c'est quand je me suis retrouvé en face. Je suis arrivé, je dis, oh non, trop loin. J'ai rebondi sur la réception. Et du coup, ben, en freinant, j'étais dans la sortie du virage. J'ai dit, ouais, je suis arrivé trop vite. Voilà. C'est que de la merde. Truc de con. Je suis tombé deux fois. Mais je suis pas tombé, je suis sorti de route deux fois. Si en travers là, en bas là. J'ai glissé, la roue arrière elle est partie, en travers. Ouais, il est dur, ouais. Non, en vrai, ouais. En vrai, petite galère. Après, c'est gras, c'est parce que ça glisse pas mal. Ça glisse pas mal, il est gras, ouais. Il va y avoir des ornières de merde. Ok. Il est bizarre, ce saut. Oh là 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 là. Ah ouais, il est raide de se monter, je vais pas au bout, j'ai vu un lapin moi, je sais pas si on va le voir dans la vidéo, il y avait un lapin qui est sorti à la réception. Non mais sinon bon petit terrain, franchement, un terrain sec ça peut être pas mal, ça peut être pas mal. Ah sec il doit être bien. Ouais, ouais. Ouais. Non, c'est vrai, ils sont tranquilles, ouais, c'est ici, ouais. Allez, du coup on se fait la petite pause repas et on s'y remet tout de suite après. Deuxième série réalisée, c'est un peu plus sec, c'est déjà bien mieux. Ça glisse beaucoup moins. Si. C'est pas grave. On le sait que t'es alcoolique, hein. y a pas besoin de te cacher. C'est pas parce que tu t'inscris anonymement que qu'on sait pas que t'es alcoolique. Pourquoi tu dis anonymement? Ah non, c'est vrai que t'assumes, toi. C'est vrai que t'assumes. Les alcooliques anonymes.
suis pas anonyme. Oui, t'es pas anonyme, voilà. Toi t'assumes. T'es alcoolique. C'est moi le professionnel. Il revendique l'alcoolisme. Et avec tout ça, ben, notre cher Christophe, pour sa première sortie, le pauvre, il casse son câble d'embrayage. Donc c'est fini pour lui aujourd'hui, malheureusement. Mais bon, c'est qu'une question de temps. Il va bien sûr tout réparer et on va se retrouver sur un prochain terrain. Ça y est, la fraîcheur est tombée, le calme est revenu. On a fini notre journée de roulage au MC Rabastinois. Alors si on avait une grosse appréhension au début d'après-midi, parce que c'était très gras, ça glissait autant en ligne droite que dans les virages tout le temps, à la fin de la journée, c'était pépite. Le terrain, c'était de la pâte à modeler. On s'est régalé. Mais quand même, un terrain relativement physique. J'ai profité des descentes pour me reposer. Hein. Je n'ouvrais pas dans les descentes, j'y allais tranquille, les virages aussi tranquilles. Parce qu'il n'y a pas grand-chose qui peut te reposer. Il y en a qui arrivent à se reposer dans les sauts, moi c'est pas mon cas. Voilà, je me crispe tout le temps, c'est le début, ça va venir. Donc malheureusement, pas une grosse journée pour notre cher Christophe. Mais bon, ça ne saurait tarder. Petite commande du câble d'embrayage et ça repart en remontant selle sur un prochain terrain. Donc bien sûr, abonne-toi si tu veux le voir rouler, puisque je pense pas qu'on va le voir beaucoup rouler sur cette vidéo. A bientôt les amis.